Thank you.
grève de la faim. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de mobiliser tous vos amis et de ne pas jeter les pierres à la police. D'accord. Donc maintenant, je veux parler avec la police pour vous faire une route pour une marche pacifique. Attendez. Donc je vous demande de rester ici tous. Moi seul, je vais discuter avec le commissaire de police. Monsieur Biram était là, est là, il nous soutient. Tout à l'heure, il nous a appelé comme ça. Il était en discussion avec les policiers. Apparemment, ils ne se sont pas repliés. Ils vont certainement lancer des grenades. Mais M. Biram nous a dit de vous dire, il faut que nous sachions résister. Il faut que nous oublions la peur. Nous allons marcher. Nous allons mener notre marche. Mais il veut que nous soyons d'accord sur deux choses. Quand il lance des grenades, personne ne fuit. Et personne ne prend une pierre pour lancer ça à un policier. Et personne n'insulte un policier. C'est ainsi seulement. Si tu ne veux pas faire, c'est son problème. Chers amis, partout ailleurs au monde, l'histoire nous a montré que des gens se sont combattus. Ils ont déjà combattu. Écoutez, s'il vous plaît. Ils se sont soulevés contre l'injustice pacifiquement et ils ont réussi. 100 ans après, nous parlons toujours de ces hommes-là. Voilà, nous devons suivre M. Biramoul Abès à un principe. Et son principe, c'est le pacifisme. Il est là, il nous soutient. Nous devons de le respecter. Nous devons de respecter ce qu'il nous a dit. Quand on lance des pierres et quand on incite des policiers ou quand nous fuyons, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes plus solidaires avec nos amis qui sont arrêtés. Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas prêts qu'on réintègre nos amis exclus. Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas prêts qu'on nous enlève ces militaires de l'université. Alors, écoutons ces conseils et suivons-les. Personne ne fuit. Les grenades ne tuent pas. Nous serons seulement blessés et nous serons fiers de voir ce sang-là verser. Voilà ce que nous allons faire.